Avec les mails, je partage. Bon, alors, on a du gravel ce matin. Qu'est-ce que c'est donc le gravel? Eh oui, c'est moi qui pose la question. Non, non, apparemment, c'est pas comme le VTT. Mais c'est entre les deux. On va essayer de dire ça. On prend un VTT, on prend un vélo de route, on les met tous les deux dans une chambre avec un lit. Par contre, ils sont comme le VTT, ils sont pas. S'il y a un feu rouge, vous arrêtez. S'il y a un feu vert, vous passez. S'il y a un stop, vous marquez un petit temps d'arrêt, vous regardez s'il n'y a rien qui arrive. Et à droite, je vous rappelle, pour ceux qui à 7h50 ne sont pas bien réveillés, c'est le côté où normalement il y a le plateau. Vérifiez que les vélos normalement sont encore équipés avec le plateau. Voilà. Donc vous roulez de ce côté-là, d'accord? À droite? Ouais, c'est ça. À droite. Mais oui, non, mais c'est pour ça que je peux mettre aussi. T'as du mal avec la droite et la gauche. Voilà, c'est ça. Non, et puis c'est tout. C'est vraiment important. Fred Salomon a insisté là-dessus. C'est comme pour tous les autres. Ouais, il caille ce matin. Hein, on est d'accord? Hein, vous êtes à l'échauffement depuis quelle heure, là, les gars? 5h30 du matin? 7h30. Ah ouais, tu t'es pas trop échauffé. Non, tranquille, il y en a qui sont arrivés plus tôt, là. Ouais, 60 bornes, ça va aller, c'est two finger in the nose. Il y en a certains, ça leur fait peur, les 60 bornes, non. Ça réchauffe. Il y en a, ils ont tellement froid, ils lèvent pas les bras, mais il y a un truc de dingue. Allez, plus fort, plus vite. C'est bon, maintenant. Faites-vous plaisir, régalez-vous. 60 km de pur bonheur. Voilà le cocktail matinal que vous sert l'Euro d'Azur 2017, 34e édition. On ne jette rien par terre, s'il vous plaît. Allez, régalez-vous. À tout à l'heure sur la ligne d'arrivée.